Batimat, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bati Radio. Et jusqu'au 3 octobre, jusqu'à jeudi, effectivement, nous sommes ici au Parc des Expositions, Porte de Versailles, pour vous faire vivre cette nouvelle édition de Batimat. La rénovation urbaine doit se faire par îlot pour une meilleure efficacité et mutualisation des ressources. Planifier du silo à l'îlot, la rénovation au cœur des territoires. Ça, c'était pour le thème de la table ronde organisée il y a quelques minutes sur l'Agora 1 de Batimat. Table ronde à laquelle a pris part d'ailleurs notre invité, que je m'empresse de vous présenter de suite. Bonjour Denis Carrère. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes directeur de l'impact social et cofondateur de Ville Vivante, une start-up d'urbanisme. On va en parler dans quelques instants. Et vous êtes également président de l'Office professionnel de qualification des urbanistes. J'ai tout bon ? C'est correct. Bon, ok, super. Comment s'est déroulée d'ailleurs cette table ronde aux côtés notamment de la maire adjointe de la ville de Sceaux ? Déjà, on avait un petit peu de monde, ouais, c'est avec bien. Des gens qui étaient concentrés malgré l'environnement du salon. Ouais. Et après, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec Christine Lecomte, donc, qui est architecte et qui a offert un petit peu le regard du monde professionnel et des architectes sur la question du jour. Mm-hmm. Et également avec Madame Pesson, donc, adjointe à l'urbanisme, au développement durable de la ville de Sceaux, qui nous a montré à quel point les collectivités étaient capables d'aller assez loin dans l'accompagnement de multiples projets d'habitants. Et c'était quelque chose qui m'est très familier, ouais, par rapport aux actions qu'on développe avec Ville Vivante. Évidemment. Pour quelles raisons il faut plutôt privilégier de la requalification par îlot ? Et puis, dans quelle mesure aussi, finalement, la massification, puisque c'est de ça dont il s'agit, et la mutualisation ont des conséquences vertueuses, positives ? Alors, je crois qu'il faut se méfier des « il faut ». Il y a beaucoup de « il faut » en urbanisme. Donc, moyennant quoi, peut-être, je pense qu'il faut bien comprendre. Ouais. C'est en France, la politique de la rénovation, au niveau national, en tant qu'elle est portée par la collectivité publique, elle est essentiellement concentrée autour d'une rénovation sectorielle, autour de la rénovation énergétique. Il faut quand même avoir bien en tête que si on prend la seule action de l'Agence nationale de l'habitat, ouais, sans parler des avantages fiscaux, des différents dispositifs, etc., pour l'année 2023, c'est 3 milliards 100 millions qui étaient consacrés à la rénovation énergétique, aux subventions à la rénovation énergétique. Mmh. Et là-dedans, la majorité, 2,7 milliards, étaient concentrés sur des rénovations énergétiques standardisées par geste. Donc des petites rénovations par opposition à des rénovations d'ampleur. Mmh. En termes de nombre de logements, pour 2023, c'était 500 000 logements qui ont été touchés par des rénovations dites par geste, ouais, énergétique, sur le simple sujet énergétique, et seulement 70 000 logements qui ont été touchés par des rénovations énergétiques d'ampleur. Mmh. Donc si on dit, si on cherche à définir ou si on cherche à situer la rénovation d'îlots, en tout cas telle qu'on en a discuté sur l'Agora tout, ouais, à l'heure, il faut bien comprendre qu'on est aujourd'hui dans un portage par la collectivité publique nationale qui est plutôt massif, sectoriel, avec des dépenses qui sont énormes, des niveaux de levier qui sont très faibles et des résultats en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui sont pas suffisants, qui sont tout simplement pas démontrés, qui ne sont pas connus. C'est-à-dire c'est une politique de plusieurs milliards d'euros, qui est orienté vers plusieurs centaines de milliers de logements, avec des niveaux de levier qui sont très faibles, puisque c'est des petites subventions qui déclenchent des petits montants de travaux, et pour des effets en matière d'émissions de gaz à effet de serre qui ne sont tout simplement pas mesurés, et qui, lorsqu'ils sont mesurés par des tiers, ne sont en fait pas présents, puisqu'ils ne vont pas être ceux qui sont espérés, les gains ne sont pas ceux espérés, parce que les logements ils consomment moins compensés avant travaux, ils consomment plus qu'on pensait après travaux. Il y a des études dans tous les pays. Donc, on a cette espèce de limite, ce point en tout cas de frustration qui est lié à un dispositif massif qui a un seul angle, qui est standardisé, qui vient sur un seul sujet et qui pose énormément de questions et qui pose aussi la question de sa durabilité, parce que est-ce que dans ces conditions-là, on est dans une société où on aura toujours les budgets pour mettre plusieurs milliards d'euros dans ces conditions-là ? Deuxième logique dans le soutien public apporté à la rénovation, alors c'est plutôt ce qu'on va appeler, en tout cas ce dont on a discuté sous la rubrique
sous la rubrique de la rénovation par îlot. Mmh. Donc ça fait plutôt référence à des collectivités qui vont dire, ben voilà, nous, peut-être qu'on s'intéresse à la rénovation sectorielle, mais en tant que collectivité, on a aussi envie d'obtenir certains résultats pour certains publics, d'une certaine façon, dans certains quartiers, îlots, mmh. ou parties de notre territoire. Et on va dire que la... Il y a deux façons de mettre en place traditionnellement cette rénovation d'îlots. Ouais. La première façon, c'est la collectivité qui va désigner finalement des morceaux de territoire qui ont un enjeu énorme, sur lesquels elle peut absolument pas se permettre qu'il y ait une évolution spontanée qui répondrait pas à ce qu'elle souhaite, ou mmh. sur lesquels elle considère que ce qui se passe n'est pas favorable par rapport à la façon dont elle entend gérer son territoire. Et à ce moment-là, elle va définir un projet, potentiellement essayer de convaincre les personnes, les propriétaires, les habitants, et lorsqu'elle en a les moyens, prendre la maîtrise foncière et diligenter des rénovations, des transformations qui vont être globales, qui vont aller très très loin, mais qui vont être pilotées entièrement de A à Z par la collectivité. Il y en a qui font ça. Il y a des collectivités qui font ça, oui. Depuis la fin des années 70, il y a des opérations de cette nature-là, qui souvent ont eu des résultats très importants, qui permettent d'intervenir finalement lorsqu'on a la main sur des thématiques qui sont bien au-delà des grandes thématiques nationales de soutien public à la rénovation. Si on vous parle d'éclairement, si on vous parle d'espace extérieur privatif, si on parle de stationnement, si on parle de distribution des logements qui soient adaptés au mode de vie contemporain, si on parle de modernité, si on parle d'accès indépendant aux étages dans des secteurs, on voit bien que tous ces points-là, ça peut être des points durs, ça peut être des points bloquants dans certains quartiers, ça peut être des raisons pour lesquelles il y a une vacance de longue durée, ça peut être des raisons pour lesquelles il y a des spirales un petit peu négatives dans certains quartiers. Et donc, il y a des collectivités qui prennent la main, rien que d'expliquer comment finalement on en voit aussi les limites, c'est-à-dire que ça donne des opérations exemplaires mais qui sont difficilement duplicables, difficilement reproductibles, ça dure très longtemps, 7 ans, 10 ans. Ça coûte énormément d'argent, puisqu'il faut faire des études, il faut acheter les logements, il faut payer des contentieux, il faut trouver des opérateurs qui viennent ensuite produire ce que souhaite la collectivité. Il faut financer ces opérateurs, puisqu'on parle de réhabilitation et de reconfiguration qui coûtent bien plus cher que le neuf. Donc, ça donne des opérations exemplaires qui sont pratiquées depuis longtemps, qui mobilisent des savoir-faire qui sont parfois raffinés à l'extrême, mais pour lesquels on a du mal à avoir une politique massive et... pour des villes moyennes et même des villes un petit peu grandes, aller traiter au-delà de quelques immeubles ou quelques îlots, c'est très compliqué. Et en général, un cœur de ville, c'est un petit peu plus que ça. Oui, c'est clair. D'autres collectivités qui appliquent cette logique à l'îlot, en tout simplement en déclinant les systèmes nationaux, c'est-à-dire en apportant des accompagnements et en ajoutant leurs aides financières aux aides nationales pour pouvoir proposer un petit peu un spectre plus large, pas s'en tenir à l'amélioration de l'habitat, performance énergétique, mais aussi travailler sur l'adaptation des logements, travailler sur les grands logements, les petits logements, la résorption des logements vacants. Mm-hmm. Mais là aussi, la reproductibilité, elle est difficile. Alors ce sont des process qui s'appellent les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain ou des opérations de ce type-là. Mm-hmm. La reproductibilité, elle est difficile parce qu'on s'adresse à des périmètres restreints et si on veut vraiment déclencher des choses, notamment par exemple si on veut mobiliser des propriétaires bailleurs pour aller faire des rénovations importantes en cœur de ville, il faut apporter de l'argent en plus des subventions nationales et donc ça demande un grand effort et il faut aussi apporter beaucoup d'accompagnement. Donc première logique, nationale, sectorielle, mono-orientée, rénovation énergétique avec les limites que je viens d'indiquer. Le travail d'îlot depuis la fin des années 70, des choses extraordinaires qui ont pu être faites dans un certain nombre de cœurs de ville en France, mais avec une difficulté de le reproduire. Et puis, le point que j'ai pu développer tout à l'heure à l'Agora, c'est des opérations d'un nouveau genre, qui sont également finalement des opérations d'îlot, en ce sens que elles portent un projet qui va concerner des quartiers entiers ou des communes entières. Ouais. Mais... dans une logique bottom-up, c'est-à-dire en partant des énergies des habitants. C'est-à-dire que plutôt finalement que de prendre les immeubles, ou de les exproprier ou de les acheter, ou plutôt que d'amener, de canaliser les habitants dans les,
pour les faire contribuer à un projet piloté par la collectivité. Là, c'est plutôt l'idée d'apporter un service aux habitants, de considérer que l'ensemble des habitants, ils ont des énergies de projet avec des moyens qui sont à la mesure de la diversité, que c'est très productif. Quand on va travailler, plutôt que de les faire rentrer dans une case unique, quand on va s'appuyer sur leurs besoins, c'est extrêmement productif. Tous les habitants, finalement, ne sont pas prêts à porter un projet de réhabilitation ou de rénovation. Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui voudraient vendre ? Comment est-ce qu'on les aide dans cette vente ? Tous les habitants ne sont pas prêts à rentrer dans un dispositif. Qu'est-ce qu'on fait s'ils veulent auto-réhabiliter ? Qu'est-ce qu'on fait si leur point d'entrée, ce n'est pas la performance énergétique, mais c'est qu'ils veulent un espace extérieur privatif ? Qu'est-ce qu'on fait si l'immeuble est trop grand pour eux et que peut-être il y aurait un moyen de soit détacher un terrain, soit détacher un logement, soit faire une mise en location, soit faire une recomposition, soit surélever pour financer les parties communes de la copropriété. Mmh. Et donc, on s'aperçoit que, en utilisant cette démarche bottom-up, on arrive à travailler sur des démarches d'îlots où on ne demande pas à chacun une contribution au projet de la collectivité, mais on essaie d'apporter à chacun un accompagnement qui permette de développer des solutions qui soient à la mesure du point d'entrée de chaque porteur de projet ou de chaque personne qui souhaite faire quelque chose de son immeuble. Et en leur apportant ces solutions, finalement, on permet de faire émerger et de mener à bien des projets qui ne sont pas limités à une thématique et qui ne sont pas limités à un immeuble, mais qui peuvent se faire écho d'un immeuble à l'autre. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que pour qu'il y ait requalification par îlot, il faut qu'il y ait un énorme travail en fait qui soit fait en amont pour rendre les choses en fait possibles. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que toute personne qui est propriétaire d'un bien réfléchit à l'avenir de ce bien. Même quelqu'un où on va vous dire, ça on est d'accord. L'expression, je sais pas quoi, il ou elle fait de la rétention. Il y a un problème d'indivision, mais néanmoins, les personnes réfléchissent. Et si on arrive à connecter à cette réflexion un niveau de service permettent aux personnes de déclencher des projets et de résoudre les problèmes les uns après les autres. Mais comment est-ce qu'on y parvient ? Parce que les intérêts ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on y parvient à ça, en fait, à ce conciliabule, cette concertation positive après pour justement engager la rénovation ? On y parvient en apportant une compétence multifacette. Pour une personne qui voudrait se défaire de son logement parce qu'elle n'a pas la capacité ou la volonté de faire un projet, eh bien, il y a moyen d'apporter de l'appui sur la stratégie de vente, la logique patrimoniale, la détermination du prix, la cible pour vendre son logement. Pour une personne qui va être bloquée par l'accès au financement bancaire, on parle beaucoup des subventions, mais il y a toujours un reste à charge. Oui. Aujourd'hui, si vous avez 60 ans, 65 ans, le banquier va vous dire que vous êtes trop vieux. Si vous avez un périmètre financier qui est plutôt réduit, il ne va pas regarder si votre opération est équilibrée. Quasiment réglementairement, il est obligé de regarder votre surface personnelle. Donc, si le problème de la personne par rapport au déclenchement d'un projet, c'est l'accès au financement bancaire, ça nécessite un accompagnement sur la stratégie d'accès au financement bancaire. Si le problème de la personne, c'est de la médiation familiale, c'est-à-dire qu'il y a une indivision dans laquelle... il y a le tonton qui est à Paris, qui n'a pas les mêmes références parce que l'immeuble dont il s'agit est à Nevers et le tonton, il en voudrait trop cher, etc. Il y a des techniques de médiation familiale pour aligner des individus. Si la difficulté, c'est une difficulté de conception. Il y a aujourd'hui dans les villes petites, grandes, moyennes en France, des petits investisseurs qui veulent acheter un immeuble et qui disent « je ne sais pas trop, je fais 4T1 ou je fais 2T2 ou je fais... je fais pour vendre ou je fais pour louer, je fais en abordable ou je fais en standing. » Et également, cet immeuble, il est vraiment pas cher. Il est très dégradé. Est-ce que je peux vraiment en tirer un parti ? Quel est le potentiel ? Il n'a pas encore acheté l'immeuble ou elle n'a pas encore acheté l'immeuble. Il ne peut pas aller diligenter une mission d'architecte et commencer à mettre un billet sur la table alors qu'il n'est même pas certain qu'il va pouvoir faire la transaction ou qu'il aura son autorisation d'urbanisme. Et donc là, il y a un enjeu d'apporter des bribes de conception à l'amont ou en tout cas des techniques de conception pour dire, telle option, qu'est-ce que vous en pensez ? Telle option, qu'est-ce que vous en pensez ? Si la difficulté, c'est une difficulté de montage financier, eh bien, il faut commencer à faire un tableau pour regarder qu'est-ce qu'elle va être l'impact fiscal, quel va être à la fois le bilan de l'opération, mais quelle va être sa trésorerie durant 20 années d'emprunt. Et donc, c'est encore une autre compétence qui doit être apportée.
Et si la difficulté, elle est technique, parce que je sais pas quoi, j'ai un doute sur le gros œuvre ou j'ai un doute sur la performance énergétique, il va falloir apporter une compétence technique. Donc, une des clés, en tout cas, c'est d'apporter des niveaux de solutions. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas l'argent, mais qui ont le temps et qui ont les capacités, qui aimeraient bien auto-réhabiliter. Alors, c'est rarement de A à Z, mais qui vont auto-réhabiliter en confiant une partie des travaux à des professionnels sur les points qu'ils ne savent pas faire. Ces gens-là, quelquefois, ils vont se réfréner dans leurs intentions de travaux parce que ils n'ont pas de notion de comment ils pourraient phaser, de comment ils pourraient interagir, ou de qu'est-ce qu'ils vont déléguer à des professionnels, qu'est-ce qu'ils vont pas déléguer. Ça aussi, c'est un domaine de conseil sur lequel on peut débloquer des situations. Et puis, il y a un point qu'on oublie trop souvent, c'est le droit de l'urbanisme. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui viennent se heurter soit aux documents d'urbanisme, soit aux prescriptions en matière de protection du patrimoine et des sites. Oui. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on dit « Ah, mon projet n'est pas compatible » ou soit on va devoir trouver des options de projet qui vont être compatibles avec une autorisation d'urbanisme accordée. Donc ça illustre le fait que... on a un champ de travail qui est infini et qui est encore très peu exploité sur toute la diversité des niveaux de services qu'on peut apporter, non pas pour essayer de convaincre les particuliers de faire des projets, parce que ça coûte très cher, c'est très compliqué, mais plutôt pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une part des gens qui seraient dans une intention de faire un projet, une part la plus importante possible qui aille au bout. Et on s'aperçoit dans les opérations qu'on a pu expérimenter, ouais, que lorsqu'on arrive à déployer cela, main dans la main avec les collectivités et leurs partenaires, la part des idées qui ne restent pas dans le placard et qui éclosent, ouais, elle est suffisante pour atteindre des résultats en dizaines ou en centaines de logements. D'accord. Alors, vous savez quoi, on est déjà à 16 minutes. Donc le temps passe extrêmement vite, il nous reste 5 minutes en gros pour vous la faire courte. Juste, est-ce qu'on peut citer par exemple un exemple d'un projet comme ça qui s'est concrétisé, où il y a pu y avoir effectivement une centaine de logements qui ont pu être rénovés, parce qu'effectivement le travail en amont et les services qui avaient été proposés ont permis justement cette rénovation-là. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples comme ça concrets ? Oui, tout à fait, donc je peux vous parler d'opérations... Rapidement. Je vous parlais d'une opération à Épinal et d'une opération à Périgueux, ouais, de deux villes moyennes où on a pu intervenir de cette façon-là. À Épinal, je vais vous parler d'un immeuble qui était sur une route faubourg, pas très cotée, immeuble extrêmement peu cher, très dégradé, sombre. Un propriétaire qui s'intéresse, mais il ne sait pas s'il va l'acheter, il se demande s'il va faire des studios, mais on voit très bien que s'il fait des studios, on va être dans une logique un peu dépréciative, s'il fait des travaux à minima, etc. Ouais. On commence à travailler et à apporter un soutien sur l'analyse du marché du logement. On s'aperçoit que les studios, il y en a beaucoup, qu'il y en a beaucoup qui sont vacants. Finalement, on s'aperçoit que en faisant des programmations, des options de programmation, ça peut passer pour faire du logement familial et pour mixer entre des studios locatifs et du logement propriétaire occupant. On s'aperçoit que pour cela, il va falloir faire monter la qualité, que pour cela, il va falloir démolir une partie de cour intérieure qui est un petit peu bouchée, qui obscurcit le rez-de-chaussée. Mmh. Le propriétaire trouve ça tellement génial qu'à la place d'un des logements locatifs, il vient s'installer. Son fils s'aperçoit qu'il y a un hangar à côté. Un hangar, aujourd'hui, personne ne va vous subventionner pour rénover un hangar. Mmh. C'est un hangar. Mmh. Il contacte des professionnels du bâtiment qui lui disent « Mais tu as 90 chances sur 100 que ton intention d'en faire un loft pour y habiter, ça s'arrêterait chez l'ABF. » Et finalement, on a accompagné ce monsieur pour faire des options qui puissent satisfaire l'ABF, et on se retrouve avec une espèce de grande carcasse vacances, et à la fin, il y a 11 logements. Quoi. Et okay, multiplié par un autre propriétaire, okay, en ouvrant le service, ouais, on obtient des résultats. Ok, donc ça c'était pour ça c'était Épinal. À Épinal. Ouais. Il y avait Périgueux, c'est ça ? Alors à Périgueux, quelques mots. Hein. Plein secteur sauvegardé, ouais, un propriétaire qui hésitait à acheter un immeuble qui était devant la cathédrale, mais extrêmement dégradé. Ouais. Il n'arrivait pas, il était professionnel du bâtiment, il avait un certain talent pour faire la réhabilitation lui-même, il a fait quelque chose de magnifique, ouais, mais il se disait comment je vais pouvoir éclairer et distribuer ce bâtiment, et effectivement il allait ensuite faire appel à un architecte, mais à l'amont, il avait besoin d'identifier la solution pour pouvoir concrétiser son achat, c'est ce qu'il a pu faire avec le service, et il a pu rénover 4 logements qui sont absolument splendides. Allez, dernier challenge, Denis, en 3-4 mots, le pitch de Ville Vivante.
Ville Vivante, en fait, on a créé cette start-up pour pouvoir loger les Français partout où il y a besoin de les loger, de la façon dont ils souhaitent être logés et en fonction de leurs besoins. Et pour cela, on a mis au point des techniques et on continue à mettre au point des techniques et des métiers pour libérer la multitude de projets des propriétaires privés en partant de leurs besoins et en les accompagnant jusqu'à la complétion. Et j'imagine que vous avez un site internet, donc on peut suivre ce que vous faites. Alors, on a un site internet qui présente l'entreprise qui s'appelle Ville Vivante. Ok. Et puis ensuite, on a un site internet pour toutes les personnes qui veulent réfléchir sur la ville qui s'appelle VVGuide, vv.guide. Eh bien, c'est parfait. Le message est passé. Un grand merci, Denis, d'être venu nous voir sur ce plateau. Beaucoup. Merci également à vous de votre fidélité. Et on se retrouve très rapidement avec une prochaine émission pour continuer à vous faire vivre Batimat. Salut. Batimat, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles sur Bati Radio.